Bonsoir en studio. Bonsoir à la maison. Je suis dans mon atelier, il regorge de savoir-faire. Je travaille ma calligraphie parce que ça forge le caractère. J'ai des fournitures spéciales, j'ai des outils, du métal. Ce coup-ci, j'ai aussi le souci du détail. You know the drill, mes vis ne sont pas cachés. Mes capes d'acier maganés ont travaillé d'arrache-pied. Et j'ai fait preuve de courage dans mon livre à moi. Je mets du cœur à l'ouvrage, j'ai sculpte des paroles qui sont tristes et tragiques et parfois tranchantes. Comme une scie mécanique ou comme un exact. On step up le niveau comme un escabeau pour cogner des clous. Faudrait un marteau, j'ai une mélodie en construction pour que vous chantiez et pour que vos esprits vous les ouvriez. Mais la musique, un jour ou l'autre, il faut y faire face. Ce jour-là, je vais fouler les planches avec le clou du spectacle. Ça vient de me frapper comme un 2x4. J'ai plus de fun avec les mots qu'avec les jeux d'arcade. J'ai construit des textes qui maintenant auraient besoin de rénovation. Quelques rimes et métaphores en guise de décoration. Y'a rien de permis, d'interdit, mais j'en rajoute une couche quand le vernis est terni. J'aime écrire en attisant la honte, la peur, pour pas devenir l'artisan de mon malheur. Alors on fonce, non, nous n'allons pas reculer. Je sais que toi aussi t'en aurais long à raconter. Long, long, comme un galon à mesurer. Mais si tu dis ta vérité, ben les gens vont pas te juger et continuer tant que le travail n'est pas abouti. Et peu importe ce que la prof a vous dit, t'es pas obligé d'accepter son offre à tout prix. C'est toi qui choisis ce que tu mets dans ton coffre à outils, hein. Qu'agité! Bon, la glace est brisée, comment tu te sens? Mais je me sens bien, je me sens mieux, puis j'ai bien réussi là, ce que je voulais faire. As-tu encore de la salive? J'ai toujours de la salive, en fait. C'est ça, je suis inarrêtable. Ouais. Maintenant, pour la prochaine étape, c'est pas un texte qui est préparé, à moins que t'aies quelque chose dans ta poche. Rien? J'ai rien. Tu sais que c'est une minute maintenant? Oui, je sais que c'est une minute. Ça, c'est-tu correct? Oui, mais d'ailleurs, j'ai envie de demander à un des juges, peut-être Corias, est-ce que je pourrais juste augmenter le niveau de difficulté puis te demander si tu voudrais me donner un mot à intégrer dans le freestyle? Épargne. OK, c'est bon. Épargne. Merci. OK. Plaisir. OK. Bonne chance. C'est souvent dans l'improvisation qu'il y a les plus fortes réactions de la part des juges. C'est, à mon avis, l'aspect le plus spectaculaire du rap. C'est quand tu improvises quelque chose qui a l'air d'avoir été arrangé avec le gars des vues, mais qu'on le voit bien que c'est pas arrangé avec le gars des vues parce qu'il sort l'objet en même temps qu'il dit. Donc, pour moi, ça, c'est spectaculaire, mais c'est aussi angoissant parce que tu sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais pas si tu vas l'échapper, tu vas-tu bafouiller, tu vas-tu choquer comme Eminem dans 8 Mile, genre tu fais comme rap, rap, dis fais-le, fais-le, puis là, il y a rien qui sort, tu sais. Ça se peut que ça arrive, on le sait pas, tu sais. Fait que vraiment, c'est la corde raide. OK, hein, je vous laisse abasourdi. Cette fois-ci, j'ai pas choisi ce que dans le coffre à outils, hein. Je fais spinner ta tête comme un hélicoptère. Tu sais, j'ai toujours la bonne manière. Est-ce que vous savez c'est quoi le rap québécois? Suffit pas de claquer des doigts pour être au match des étoiles, hein. Tantôt, il y avait un marteau, mais si tu te sens insulté, ben tu peux mettre le chapeau. Non, mais je vais pas lancer l'idée, hein. Je vais pouvoir gagner, hein. C'est sûr que je ne t'épargne pas. Je te remets la monnaie de ta pièce, mais dégage mon gars, soldier. Je suis ici pour gagner le combat, s'aramer. J'amène des flots pour ceux qui aiment s'araper. Corias, j'ai du cœur à l'ouvrage. Je suis ici pour gagner, je te le gage, je te le parie. Je le fais avec la magie. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Laisse-moi voir un outil encore. Je vais splitter ta tête avec une hache. Je suis le meilleur, il faut que tu le saches. La minute est pas terminée, hein, mais je ne vais pas m'arrêter là. Non, je te le dis puis je continue, je ne m'arrêterai pas là. On se donne rendez-vous au Festival Santa Teresa. Wow, qu'agité. J'ai vraiment l'impression que tu t'es amusé, mon gars. Hein? C'est pas juste une impression. J'ai vraiment du fun à faire ça. En deux saisons de la fin des fêtes, des fois, certains se sont avancés vers la boîte comme s'ils allaient à l'abattoir. Toi, c'était comme, ouais, je vais prendre mon pied. Alors, bien joué. En attendant Santa Teresa, c'est la cappella. Ça rime bien. Vas-y. Merci. Merci. Bravo. Merci. Je suis parmi les deux personnes qui ont une note parfaite. Moi, c'était la cappella. Est-ce que ça met une pression pour la finale? Je penserais pas, là. Je vais vraiment faire de mon mieux, comme d'habitude. Je pense que j'ai quelque chose de solide encore, puis c'est quelque chose qui va être tellement senti puis sincère que je pense que ça va transparaître, transpercer l'écran. J'ai hâte de faire ce texte-là. C'est le deuxième texte que je voulais vraiment faire à la fin des faibles. Le premier, je l'ai déjà fait, ça s'est bien passé. Le deuxième, c'est celui-là. Ça va bien se passer aussi.
Je fume, tu fumes, elle fume, il fume. Je fume, tu fumes, il fume, elle fume, nous fume. Quand tes deux parents fument puis que ça sent la cigarette, ben c'est plate, mais t'apprends à vivre avec. Ça sent la marde parce que vous fumiez, mais vous n'auriez pas dû. La vie, un jour on y est, l'autre on n'y est plus. T'as fait ton achat sur le chemin de la Canardière. À cette heure, t'as du bon tabac dans ta tabatière. C'est un colis suspect avec des produits chimiques. C'est t'as se demander pourquoi c'est pas illicite. C'est un véritable suicide qui est interminable. En tant que témoin, témoin que rien, interminable. L'avenir est sans pitié à devoir remplir les cendriers, car le destin va s'enligner et arriver sans crier gare. Qu'est-ce qui cloche avec ta respiration? Quelle est la date de ta dernière expiration? L'effet atroce et pervers de la clope serre ta gorge pour que tu finisses par t'étouffer avec tes dernières paroles. Enfermé dans ton mal-être et dans tes mauvaises habitudes, on dirait que c'est la cigarette au bout de tes doigts qui te fume. On t'entend tout le temps tousser, puis c'est pas parce que t'es enrhumé. Toute ta vie endurée, ta santé partie enfumée. Mais t'arrêtes pas, c'est pas une anecdote. Tu sors jamais, jamais sans ton paquet de clopes. T'as besoin de ta dose, t'es accro raide. C'est comme si t'allais acheter du crack au dep. Les compagnies profitent, c'est des hypocrites, nous. On reste immobile, puis c'est illogique pour moi. La nicotine est si toxique, c'est synonyme de vie horrible. A priori, c'est ta tête que tu cigares à la guillotine. Puis quand tu finis par arriver à la limite, tu réalises que fumer, c'est une banalité atypique. Analyse les statistiques, c'est une fatalité fatidique. Je brûle d'envie de te dire, tu vois, la vie, c'est magnifique. Wow. C'est fait. Cagité, bravo. Merci. Performance à couper le souffle. Bon jeu de mots. Tu pensais à qui, précisément? Je pensais à mes parents. Ouais. Mes deux parents. Mon père est mort il y a 10 ans de ça, du cancer. Ma mère, en ce moment même, en tout cas. Puis c'est important pour moi de le faire parce que je sais que je suis pas tout seul à vivre ça. Je pense que c'est un fléau de société, puis je pense que ça devrait pas exister. Allons voir comment les juges ont reçu ta performance, Sarah May. Bien, je veux dire que tu as fait une performance incroyable ce soir. Honnêtement, moi, j'ai été époustouflée du début à la fin. J'ai commencé par ton texte libre. Ça se voit que tu mets beaucoup de travail dans ce que tu fais. Ça se voit que tu répètes, que t'es... on dit le diable est dans les détails, et je pense que tu es un petit diablotin parce que tout est vraiment coupé au couteau finement. Tout le jeu de mots par rapport au coffre à outils, le clou du spectacle, cogner des clous, devenir marteau, il y en avait plein. Et ton texte faisait du sens du début à la fin. Moi, je t'ai pas lâché pendant toute ta performance. Après ça, l'improvisation. Écoute, moi, j'ai trouvé ça arrogant que tu demandes un mot extra à Corias, mais tu l'as fait comme un chef, encore une fois. Ça a bien commencé, on dirait que c'est ta journée, parce que tu as sorti un marteau dès le début. Ben, j'aurais pas pu demander mieux, tu sais, mais ouais. Tout était là déjà. Ton flow, moi, j'ai beaucoup aimé ton flow dans l'impro. Il y a quelque chose qui se relâche quand tu es sur le moment. Des fois, dans le texte, ça va vite, mais j'ai beaucoup plus apprécié le flow pendant l'improvisation. Surtout, tu as fait aucune hésitation à aucun moment, puis il restait du temps, puis tu es resté là. Et pour terminer, écoute, ton acapella, c'était finement ficelé. Merci d'avoir été là, Cacheté. Merci à toi. Corias. Je vais commencer avec le texte libre. Les jeux de mots, c'était à plus finir. Il y en a tellement que je ne sais même pas quoi citer. Ce que j'ai bien aimé, c'est les mélodies en construction pour que vous chantiez, tu sais. L'impro, j'ai trouvé ça sans faute aussi. Tellement d'objets pigés, tu retombais toujours sur tes pattes avec des petits jeux de mots super intéressants. Le truc du match des étoiles, tu sais, ça, c'était merveilleux. La capella, ça nous a tout éblouis. Le choix du sujet, au début, j'étais comme « Ouh, OK, t'as choisi ce sujet-là, tu l'as vraiment super bien amené. » Donc, je sais pas quoi dire de négatif, honnêtement. J'ai apprécié tout ce que j'ai vu. Merci. Soldier, yo, il y a une phrase qui m'a vraiment interpellé à la fin de ton texte. T'as dit « C'est toi qui choisis ce que tu mets dans ton coffre à outils. » Et puis là, après ça, tu sais, des phrases comme ça, ça nous ramène à la vie du fait que t'étais dans un établi avec des outils, puis là, t'es en train de nous apprendre semi à vivre, tu sais. Fait que j'aimais ça, tout avait sa place. Après ça, on est passé au freestyle, j'ai aimé ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça divertissant. Après, t'es arrivé avec la capella, avec encore un autre sujet que j'avais jamais entendu quelqu'un rapper sur ce sujet-là, puis c'est un peu ça qu'on cherche, tu sais. On veut voir le niveau d'originalité puis de création des gens. Mais c'était vraiment bien, c'était vraiment un show de finale. Merci, je suis vraiment honoré, je suis touché, je suis ému, merci vraiment beaucoup. Bravo, Cacheté. Bravo. Bravo, merci pour ce que tu nous as offert. Ça, c'est de la belle télé.